En France, les langues régionales sont régies par plusieurs lois. Alors, je remonte à la loi d'Exon de 1951 qui permet leur enseignement facultatif. Et cette loi a été codifiée dans le Code de l'éducation. Et plusieurs lois depuis et plusieurs règlements depuis sont venus étendre ces dispositions. Et notamment jusqu'à le sommet en 2008 avec l'adoption dans la Constitution d'un article 75-1 qui dispose que les langues régionales font partie du patrimoine de la France. Alors, outre-mer, les langues régionales sont très vivantes. Et elles sont parfois les langues maternelles des populations locales et les seules langues maîtrisées vraiment par les populations. Donc, l'enjeu serait de permettre à ces populations de s'exprimer dans leur langue maternelle pour une reconnaissance de leur liberté d'expression et aussi de permettre à ces populations, notamment aux élèves, d'être accueillis dans les écoles, dans leur langue maternelle. Donc l'enjeu est un enjeu primordial d'épanouissement de la personne, d'accueil dans l'école notamment, puisque le domaine de l'enseignement est particulièrement concerné, et plus largement de respect des droits linguistiques de ses locuteurs. Oui, la question des langues est souvent liée à la question des statuts. Et lorsque les statuts accordent une autonomie plus poussée, c'est vrai que les langues régionales sont souvent des revendications pour que les langues aient une place davantage accrue dans l'enseignement, dans les médias, dans la vie publique. Et c'est le cas notamment en Polynésie française, qui dispose d'un statut d'autonomie dans l'article 74. Et le tahitien et les autres langues polynésiennes sont très vivantes et sont quotidiennement utilisées en Polynésie française. Et oui, le statut d'autonomie a aussi permis cette avancée-là.